Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir aux fidèles auditeurs de la radio-télévision du Grand Ouest. Tradition, culture, authenticité sont les premiers signes qui se dégagent à la vue de notre invité de ce soir. Ambassadrice de la culture Way à l'UNESCO, notre artiste professionnel est de passage sur les bords de la lagune Ébrier. La RTO l'a rencontré et lui a accordé le tapis rouge. Avec vos acclamations, je voudrais que vous accueilliez ici, sur ce podium, Mika S. Que je vous demande d'applaudir. Bonsoir, l'ambassadrice. Bonsoir, la, merci à tout. Voilà, merci. Les éloges pleuvent. Vous devez dire, attendre que je finisse votre atalaku, comme on le dit. Ouais, mais c'est pas bien grave. Je vous demande de toujours applaudir. Là, il applaudissait une minute parce que là, c'est votre ambassadrice. Merci. Alors, Mika S, c'est du costaud, c'est du professionnel. Vous avez un message à délivrer à la population avant l'entame de cette émission. Oui, bien sûr. Déjà, je salue le Grand Ouest, et le peuple du Guémon et du Cavalli, le peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, je souhaiterais qu'on garde quand même une minute de silence pour tous mes frères artistes ici sur la place. Et disparu. Allez donc, merci, c'est émotionnel, en hommage donc à tous nos artistes disparus. Et tout dernièrement, Arafat, le phénomène, qui est un artiste, il faut le préciser. Hier encore, le président Benazir Tablé, sacré, avant bien même sacré, Ziagbeyi et Michou de Guéou. C'est un hommage qu'on leur rend. Merci donc de nous avoir rappelé ce fait. Nous sommes entièrement d'accord. Merci, cela démontre de votre état d'esprit que j'ai lu d'ailleurs. Merci. Et ce n'est pas gratuit, c'est vrai, vous pouvez continuer de l'applaudir une dernière fois avant qu'elle prenne directement la parole pour s'adresser, n'est-ce pas, donc à ses fans et donc à toute la population du Guémon. Alors Mikaës, oui. Le nom il est élégant, il est charmant, il fait marketing, et ça y est, l'histoire, Mikaës, S à la fin, superstar, sonorité, sensuelle. Sensationnel, qu'est-ce qu'on pourrait exprimer exactement? Ben écoute, simplement le nom de famille et mon prénom composé, hein. C'est Aïe Martin Mikaës. Alors donc je souhaite que vous retenez Mikaës, c'est encore plus intéressant. Allez, merci beaucoup, chers auditeurs, chers téléspectateurs de la RTO, c'est une exclusivité. Nous ne recevons que les stars, les superstars, et nous les recevons. Et donc, cette émission donc, est la première émission que la radio-télévision du Guémon proposera donc, à la branche, au département de la culture, de la musique. Mikaës, oui. Je voudrais que vous exprimiez deux minutes avant que je vous reprenne la parole. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Simplement vous dire que c'est vrai que bon, je parle français. Mais pour une personne qui représente sa culture et son peuple, va s'exprimer en langue, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Aosé, Makia. Aosé. Ao. Maïno et Glao Blaba. Nouvelle Guémon. Nouvelle Cavalier. Zéan, Indienne, Côte d'Ivoire. Depuis un siècle, m'ancipaye. Pourquoi? Parce que. Ma paix sous ma dondi.
Je ne comprends pas, je ne peux pas aussi accepter que ma vieille vie, ma vieille vie, ça dit que des personnes, bon, il y a une vie ici, ou que ma vieille vie, et puis en un rien de temps, aujourd'hui, on veut tout payer des morts. Et même le lax, c'est que tu as une vie, il y a une vie, on dit ma vieille. Et mais en fait, on a un accident. Jean Césaire, mon homme, franchement, j'ai mal au cœur. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais on dit toujours que les grandes douleurs sont mieux. Les grandes douleurs sont mieux. Je n'ai pas, fait de vidéos, je n'ai rien, je n'ai pas fait de commentaires parce que je n'arrive pas à faire une vidéo. Je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, voilà. Donc, il me l'a oublié, il me l'a boit flambeau. Il me lançait depuis longtemps, c'est vrai. Mais il m'a oublié demain. Donc, il m'a jawagé, mais il s'est trucage, mais il était bien maintenant. Voilà, merci Mika S. Alors, Mika S. Oui. La confirmation, c'est le titre de votre dernier opus. La confirmation au sens propre du thème. Oui. La confirmation aussi au sens de la maturité professionnelle, c'est ça? Oui, en fait, j'ai rencontré plusieurs obstacles sur mon parcours. Au début, quand j'étais venue en Côte d'Ivoire, il y avait le coupé décalé qui était en vogue. Et je viens à mon album. J'avais qu'un seul titre de Banti quand même sur mon album. Oui, Banti, je me rappelle, avec voilà. Le qui accompagnait justement... avec les glaïs, oui, tout les ça, glaïs, ça a été voilà, tourné le, au village. Le reflet donc de notre tradition. Exactement. Voilà. Donc, je vais à la télévision et j'ai des questions qui me reviennent encore. Est-ce que vous êtes sûr que votre musique traditionnelle peut approcher? Je dis, mais bien sûr que oui, pourquoi pas. Il suffit quand même de persister dans ce que je fais. OK. J'ai essayé de faire la promotion comme je peux, coussi coussa, parce que d'ailleurs, je ne connaissais pas encore grand monde en Côte d'Ivoire, au sein de showbiz et autres. Et je suis repartie, quand j'ai fait et mon deuxième, quand je fais sortir le Zouablao, j'ai fait le clip de Zouablao. Et c'est là qu'on me dit, c'est le Zouablao qu'il faut prendre pour faire la promotion. Mais j'étais surprise, j'ai dit, ah bon, pourquoi? On me dit, non, la musique traditionnelle en voie de disparition, donc le Zouablao est la bienvenue. OK, c'est parti pour Zouablao. Ce qui veut dire, lentement et sûrement. La confirmation, parce que, est-ce que je me posais des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir tenir dans le monde d'aujourd'hui où je suis une fille? Quand je suis dans la tradition, les gens me voient en sorcière. Et pourtant, je ne sais pas si je représente quelque chose quelque part qui est de la sorcellerie. Je n'en sais rien. Donc finalement, je me suis posé beaucoup de questions. Maintenant, confirmation, qui veut dire « je suis arrivée ». Le fait de représenter mon peuple à l'UNESCO, pour moi, c'est du balèze. J'ai tout donné à mon peuple. C'est du balèze, il faut le souligner. L'UNESCO, qui est donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a donc pris pour ambassadrice Mika S. C'est un honneur pour le peuple ouais. C'est un honneur également pour la musique, n'est-ce pas, du terroir, et c'est très important. Et Mika, c'est cet honneur, il est important et il est quand même calé dans votre histoire. Merci, pas? Oui, parce que c'est sûr. Pas, sur mon parcours. Oui, c'est pas, bien sûr, c'est pas donné à n'importe qui quand même. Non. Je voudrais donc pour cette... C'est un honneur également demander donc à la régie, donc au réalisateur, de nous présenter un gros plan, donc le dernier album de Mika en date. Voilà donc. J'ai rectifié, c'est pas le dernier.
C'est pas le dernier, ça. Ok, d'accord. Autant pour le nous, dernier, autant c'est nous. L'appel à mon peuple. L'appel à mon peuple. Et c'est dans quel registre? L'appel à ton peuple, c'est dans quel registre tu l'as fait? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais l'appel, l'éveil, ouais, que j'ai fait la dernière fois, c'est en single. Où je demandais au peuple, ouais, de se ressaisir. Et de militer, en fait, pour eux-mêmes. Il faut qu'on soit déterminé. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'il y ait la réconciliation à notre niveau. Il faut qu'on ait l'amour des uns et des autres pour qu'on aille de l'avant. Je disais même que, est-ce que, comment on appelle ça, le peuple, ouais, il n'y a pas un intellectuel qui va être un président de la République. Moi, mon rêve, c'est ça. Donc, je dis que un ouais peut être président. Il ne faut pas militer pour les autres, mais il faut militer pour soi-même. La charité bien ordonnée commence par l'ouest. C'est ce que je voulais exprimer. J'ai fait appel à mon peuple. Je veux qu'un jour, que ce soit dans l'histoire, ah tiens, M. Blaise Gabriel est président de la République de Côte d'Ivoire. Ma lutte, c'est ça. M. Oulaye Gabriel donc, est président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Selon les termes de MIKS, c'est son souhait, c'est son vœu. Oui. Et nous allons accompagner ça avec une plage musicale extraite, n'est-ce pas, de l'album de MIKS. Je vous demande de suivre. Hey, mon courage n'en s'y a fait. Mon clan au plaza, mon séama,
plantron. Tout ma blé, tu m'as dit. Pélène est bon, bon, ma messie, oui. Ouais, blois. Ah, y'a pas dit là. Diable, mon dédé, ouais, moi c'est gladion. Papa, aïe, pas dit là. Abla, pas, abla, pas, abla, pas. Ti bonne est beau. La meilleure, moi, glaque, pas, y'a. Abla, pas. Donc, merci, merci à, au réalisateur. Je pense que Mikas, n'est-ce pas, au firmament de sa voix, n'est-ce pas? Oh, je dirais même que je suis encore dans mon rêve. L'objectif que je vise, j'ai fait le parcours, je ne suis pas encore arrivée à ce que je veux. C'est vrai, j'ai représenté le Banti à l'UNESCO, oui, ça c'est le peuple ouais, qui doit être fier. Absolument. C'est juste qu'ici, ils savent quand même ce que je fais pour eux, ce que je représente réellement pour eux. Dans le monde entier, les voyages que je m'étape, au nom des ouais, au nom de mon peuple, je me demande encore si il se rend compte quand même de ce travail-là. Oui, mais bien sûr, on se rencontre. Moi, par exemple, j'étais déjà artiste en 2003-2004, déjà avec mon premier album. Déjà, on vous a contemplé, on vous a admiré. Et le message traditionnel, tradit modèle, vous avez donc une vénération poussée pour tout ce qui est culture traditionnelle. Et, oui. Une inspiration aussi également pour le modernisme. Donc vous êtes à cheval entre les deux valeurs. Oui. Et donc déjà en ce moment, je vous ai connu. Donc sur le plan local, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous êtes beaucoup plus connu. Mais pour votre région, je pense que voilà, vous êtes aussi connu. Mais je pense que peut-être que l'occasion va nous permettre. Nous, on va assurer la RTV déjà. On va oui. être donc aux avant-gardes de cette reconnaissance. Principe qui doit venir maintenant. Elle doit venir okay. maintenant parce que c'est quand même représenter le Banti à l'UNESCO, une organisation mondiale. Ça doit se fêter. Ça doit se fêter. Je dirais même que on devrait en principe, ceux qui gèrent notre région, nos régions et nos cadres devraient en principe vous accorder beaucoup plus d'attention. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Alors, donc, Mikas, voilà, je voudrais vous permettre, n'est-ce pas, d'exprimer. Un sentiment au niveau de la musique traditionnelle moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? En gros, son évolution. Mais je suis fière. Je suis très fière de voir aujourd'hui mes frères. On les invite, ils viennent en France et tout pour chanter. Et nous, les gens de l'Ouest, on se met ensemble pour recevoir ces artistes-là, ce qui est déjà très important. Maintenant, pour être professionnel, ça dépend de l'artiste elle-même. Les conseils, en fait, ça ne se donne pas. Ça dépend de ton image que tu as envie de présenter à ton peuple. OK? Donc, moi, j'apprécie en gros les artistes tradis modernes de l'Ouest, je les apprécie. Ce sont mes frères, il y a aussi mes sœurs, hein, il n'y a pas que les frères. Et vu le nombre des artistes aujourd'hui, des artistes ouais, je dis mais bravo. Parce que de toutes les façons, la sonorité, la musique vient de l'Ouest. C'est les ouais. Quand on retourne en arrière, on va prendre le cuir, on va prendre le glaire, on va prendre le dia, on va prendre... Mais tous ceux-là, ils ont leur façon de chanter. Ou quand on dit la musique Mozart ou quoi que ce soit, on trouve toujours les notes, les mêmes notes de musique, disons, ouais, tradit moderne. Mais peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas aussi développé. Mais sinon, quand on fait les recherches, normalement, la musique vient de chez les ouais. La musique vient de chez les ouais. Très belle explication. Exactement. Je voudrais ici aussi demander officiellement à Mikas
Mikaès. Oui. Donc, avec les mots en cascade donc, qui sont enregistrés dans notre camp. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait penser, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir, ou bien qu'est-ce qu'on pourrait peut-être à l'avenir mettre à la disposition de nos artistes pour ne pas que nos artistes tendent toujours la main quand ils sont en situation d'urgence. Écoute, je dirais que je ne suis pas bien placée de parler de ça. Pourquoi? Parce que je suis artiste. Aujourd'hui, je vis en France. Mes frères, ils vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont en Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc, un jeune, si tu veux, tire mon attention sur le fait que tous les jeunes de chez nous viennent rester à Abidjan. Ça fait que la famine, aujourd'hui, l'Ouest en général n'a jamais connu la famine. Mais si aujourd'hui ça arrive et que donc revient des artistes qui tendent la main aux gens, tout ça c'est dans l'ensemble. Les forêts sont vendues. Pourquoi les forêts sont vendues? Parce que nous ne travaillons pas. Nous sommes des paresseux. Les travaux champêtres, ce n'est pas notre truc. Autrement dit, moi, je ne serais pas en train de vendre le champ de cacao à quelqu'un pour qu'il vienne planter l'EVA dessus. Sachant aujourd'hui très bien que l'EVA, où c'est poussé, tu ne peux rien planter autour. Qui puisse donner ce que tu veux. Donc, si aujourd'hui nous en sommes là, c'est par rapport, ça commence depuis la vente de nos forêts. Les jeunes qui refusent maintenant de travailler. Il y en a, quand je fais mes émissions, je parle toujours de ça, parce qu'il y en a qui disent, mais si on devait travailler la terre, pourquoi toi tu es en France? Mais non, mais c'est pas pareil. Moi, je suis en France aujourd'hui et puis je maîtrise le guéret. Moi, je suis en France aujourd'hui et puis je parle correctement ma langue. Mais là où je suis, on ne sait pas ce que je fais pour survivre. Je travaille aussi là-bas. Je travaille. C'est vrai que je suis en France, je suis artiste, mais je travaille. Je travaille pour des gens qui me payent à la fin du mois pour que je puisse quand même subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. OK? Donc, on ne dit pas, elle est en France et puis elle demande aux gens d'aller travailler la terre. Chacun a son truc. Toi, tu vis à Abidjan ici. Tu n'as pas ta maison. Tu vis chez ton oncle. Tu as enceinté une fille. Oui, mais bien, c'est un exemple à donner. Ben oui. Moi, je suis provisoirement à Abidjan, c'est un exemple à donner. Je ne vis pas aussi chez mon oncle. Donc, vous devez le comprendre. Allez, tout ça, ça fait être... Non, voilà, je dis moi, pour ne pas nommer quelqu'un, je dis, je vis à Abidjan, je vis chez mon oncle, j'ai enceinté une femme. Cette femme va me donner un bébé. Alors, dans l'ensemble, on forme déjà une famille, nous sommes trois. Si je ne travaille pas, être artiste ne veut pas dire, n'est pas exercer un petit contrat quelque part. Tu peux le faire. Et à partir de vendredi, moi, je travaille du lundi au vendredi. Et si le vendredi soir, il y a des manifestations qui m'interpellent, après mon travail, je rentre chez moi, je me prépare pour aller répondre à ça. Mais je ne vais pas me dire, du 1er au 31, je suis artiste, je vais rougir mes cheveux, mon crayon arrive dans mes cheveux, et puis je traîne là. Non. Non. Aujourd'hui, mes parents ont besoin de moi. Je suis chef de famille en tant que femme. Je dois gérer mon foyer. Je dois gérer ma famille. Ma mère vit qui est très vieille. J'ai tout ça sur le dos. Donc, je ne peux pas m'amuser à dire que oui, je compte sur... aujourd'hui, je dois me presser là. Donc, l'argent que je vais gagner sur scène, je ne peux pas faire tout ça avec. Je dois travailler. Alors, si tu veux un conseil, je demande à mes frères artistes de travailler. De travailler, oui. De travailler. L'aide, c'est quelqu'un qui te le donne. Mais la personne ne sera pas peut-être à mesure de te le donner tous les jours. Donc, mes frères doivent travailler. Et à partir du vendredi, on est dans la peau artistique. On est artiste. On finit de chanter. Le lundi, on doit aller au travail. Tu vois? Oui.
Donc, la question, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, ben, rappelle-le-moi. Voilà, non, c'est un avis, c'est un avis personnel. Et donc, il reprend, en fait, mon entendement, il n'y a pas de problème. Alors, donc, Mikaès, alors, donc, la radio-télévision du Grand Ouest est heureuse de vous recevoir. Ben, moi aussi. Nous sommes, donc, à votre disposition. Merci. Je voudrais que, avant de conclure donc cette émission, oui. Je voudrais que vous entendiez une petite chanson, un opus, donc, une petite chanson de votre répertoire. Oui. En exclusivité donc sur la radio-télévision du Grand Ouest RTGO, mm-hmm. qui aujourd'hui est la porte d'entrée du Guémont. Donc si je comprends bien, je suis encore à la porte du Guémont. Je ne suis pas encore entrée. Avec la RTGO, vous y êtes déjà. Dès que la RTGO reçoit sur ces installations, vous êtes déjà entrée. Et donc, okay. Quand vous arrivez dans les Guémont, bon, à savoir. C'est la RTGO qui vous donne la permission de rentrer. Vous êtes déjà, vous y êtes déjà. Je suis très ravie. Voilà. Et c'est pourquoi vous êtes installée aujourd'hui. L'honneur à moi. Voilà. Et ce plateau sur lequel vous êtes installée, c'est un plateau de stars. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis une star. À tout seigneur, tout honneur. Ensemble, nous allons écouter un acapella. C'est cher, mais on va aussi... voilà. Et donc, elle va faire un acapella. Et puis, bon, mais question de nous ressourcer, question de nous rappeler. We remember. Écoutez. Dénia de guide, bon les gafagnons. Dénia de guide, bon les gafagnons. Démon keble a git mon le gafagnon. Dene a de digit mon le gafagnon. Mon glan wa yon se mati o de ou blasi bo ya wo ba wra de klan we. Se kwa wa bagro mon ka son di yon. Da mon ke mon ju o ba ta ke enge e bo ye mon de klo a mwen. Dene a de digit mon le gafagnon. Mon se pou ba bo nyon bo giro a se fan bra wo kwa a ta e kien. We on wa de gron wa yina yye gafanyon. Mon glan wa yon se mati yon de ou blasi bo ya wo ba wra de klan we. Mon ke mon ye ito gafanyon. Dene a le git mon le, dene a le git mon, dene a le git mon gafanyon. Dene a le git yo. Le futur vous réserve le meilleur pour bientôt en exclusivité sur la radio télévision du Grand Ouest. Nous venons de recevoir à l'instant Mika S. Révélation depuis très longtemps donc la musique... de notre tiroir, elle est ambassadrice du peuple ouest. Du peuple ouest. Et je pense que c'était très important. Les cuis et les glaé, faut le préciser. Les glaé, oui, les cuis et glaé. Avec mon banti, bien oui, sûr. Oui, oui, mais ça, c'est qui représente mon peuple. Merci, merci, merci. Nous étions donc avec Mika S. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis, de nous faire confiance. Prochain rendez-vous donc le mardi, une autre émission avec Mika S. D'ici là, portez-vous bien. C'était la nouvelle émission de la RTGO Starmania.